Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Forza Horizon 4 et on va commencer les entreprises, c'est-à-dire que dans Forza 4 tu peux avoir des entreprises qui te rapporteront de l'argent chaque jour il me semble, enfin tous les 24 heures, une connerie comme ça. Alors, je sais que cet investissement peut sembler un peu lourd mais crois-moi, ça en vaut la peine. Bénéfice quotidien. Sache que tous les jours, chacune de tes affaires te reversera une partie de ses bénéfices. C'est très bien, c'est vraiment l'emplacement idéal. C'est le jackpot assuré. J'ai déjà des clients sur liste d'attente. Ok. Mais je crois qu'on devrait essayer toutes les voitures d'abord, non? Moi, il y a un truc que j'aimerais savoir, c'est... est-ce que... Quand, tu sais, genre les jours où je vais pas jouer au jeu, est-ce que le jeu va sauvegarder la thune, tu vois, qui... Par exemple, si je joue pas pendant 48 heures... et que j'allume pas le jeu, est-ce que pendant 48 heures on va me stacker mon argent et dès que je me connecte, est-ce qu'on va me les donner? Mais bon, de toute manière, j'ai plus de 2 millions, donc c'est pas 100 000 qui vont me ruiner. Bon choix, très bon choix. Toi et moi, on va montrer à tout le monde la vraie signification de vitesse absolue. Oh là là, les petits... Oh là là, elle est trop belle, ma Ferrari! Les petits zooms comme ça. Oh là là. Et du coup, il y aurait 10 entreprises comme ça, disséminées dans tout le jeu, donc... écoute. Qu'est-ce que t'en dis? On a les locaux, j'ai les contacts, et tu as... Eh bien, t'as quelques minutes à tuer avant notre premier client. Une Lamborghini Veneno de 2013. C'est pas trop mon délire, mais bon. Et montre à Horizon ce qu'elle a dans le ventre. Je veux que tout le monde parle de nous. Je veux que le public sache qu'on ne plaisante pas quand on dit vitesse absolue. Allez, on va tester ça. Juste une petite virée jusqu'à Glenraddock. Oh, et n'oublie pas que notre premier client est déjà en route. Glenraddock. Lui, il me dit ça comme si je savais où c'était, tu vois. Tournez à droite. Faites demi-tour dès que possible. Ouais, ça va, la Lambo, elle marche bien, quoi. Oh putain, d'accord. Je savais pas que ça se détruisait. Mon 2 minutes pour faire 6 km en Lamborghini Veneno, frérot. La Lamborghini de Batman. En plus, ça tient plutôt bien la route, faut être honnête. Après, bon, encore une fois, au niveau design, c'est pas trop mon délire, mais bon. On fait avec ce qu'on a, hein. Ah ! Voilà, ça m'apprendra à parler. Allez, hop, un petit coup de frein, ça a jamais tué personne. Comme dans Jobar Team, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de honte à freiner. Ça, c'est des vraies références, les gars. Seuls les vrais savent. Ah, là, c'est une boîte 7, d'accord. À 400 mètres... Vous arriverez à destination. Bon 302 km/h, yeah. On viendra la chercher et la nettoyer. Tu ferais bien de t'éclipser avant l'arrivée du client. Appelle-moi une seule étoile. Suivante, d'accord? Je pensais à quelque chose de scandinave. Quelque chose de scandinave. À mon avis, il pense pas à un Volvo, tu vois. Il pense à un petit peu mieux. Et j'ai eu qu'une seule étoile, d'accord, donc on peut aller bien plus vite dans cette mission. Mais bon, on va pas forcer, au pire, tu sais, au pire du pire, je ferais ça de mon côté, tu vois, mais on va pas forcer en mode 3 étoiles, machin, mes couilles. Parce qu'en plus, là, pour le coup, les 3 étoiles, j'ai l'impression que c'est assez tendu de les avoir. Hein. Parce que j'ai pas eu l'impression de traîner. Ah, on peut continuer? Genre... Mais ça va me rapporter des sous, qu'est-ce qui se passe concrètement? Chapitre suivant. Ouais, pourquoi pas, mais... Je vois pas trop... Est-ce que ça va augmenter mes gains ou c'est juste comme ça pour le délire? Ou alors peut-être qu'il... Quel pilotage incroyable la dernière fois! Depuis, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Celle-ci sera encore mieux. Juste une chose, t'as pris tes lunettes de soleil? Non, laisse tomber, c'est pas grave. La Koenigsegg 1-1.
1360 chevaux pour 1360 kilos. Il y avait que les Suédois pour créer quelque chose d'aussi simple et d'aussi sauvage à la fois. Ah, je déteste l'aileron. Oh putain, comme c'est moche. Rends-toi au château de Gamburg. Il y a une belle ligne droite là-bas. On peut vraiment mettre les gaz. Ah oui, elle marche fort. Ah, l'aileron il s'incline et tout, d'accord. Là c'est pareil, hein, j'aurais pas les 3 étoiles, pas du tout. Oh, et le client arrive tôt. Désolé si t'es un peu ébloui. J'ai pas compris là, l'objectif 161 km/h, c'est quoi, c'est de moyenne? Ah non, c'est un radar, d'accord. Ok, j'avais pas lu, désolé. Putain, j'aime bien par contre là, Là c'est radical là. Contrôle dans cette zone, d'accord ? Montre-leur qu'à grande vitesse, cette machine colle à la route. Ouais bah là tout de suite, je suis un peu en drift gros, mais... Être à plus de 161 pour le radar, ça va pas être compliqué. Allez, là, faut que je donne tout. Tu viens de piloter la première méga car au monde. Qu'est-ce que ça fait? On garde le contact. C'est possible. Wouhou! Une Ferrari. Une Ferrari? Ah, c'est une F12. Non, en vrai, ça va être une La Ferrari ou un truc beaucoup plus gros qu'une F12, je pense. Ouais, la Koenigsegg 1-1 là, j'aime bien, mais sauf l'aileron quoi, je trouve ça... Enfin, j'aime pas comment... L'aileron en soi il est joli, mais tu sais, c'est les trucs... Enfin bref, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Ah, on aura un Whispin, ça c'est cool. Alors oui, merci bien, je sais que le multi ne marche pas. C'est toujours un plaisir de me le rappeler. Donc attends, on va faire ça, comme ça ils arrêtent de nous casser les couilles. Voilà, merci. Alors, ah, on a un petit tirage, nickel. Et on a des points, mais je crois que j'avais tout mis. Voilà, il n'y a plus rien à faire. Ok, donc ma théorie sur ces trucs-là, c'est qu'une fois que je serai arrivé à 10 sur 10 au niveau du chapitre, ça va peut-être me débloquer la prochaine entreprise en fait. Donc on va faire un épisode spécial société de location, si ça vous dérange pas. Du coup, on va faire le tirage. Pour notre plus grand plaisir. Ou pas. J'aurais grave préféré avoir la couronne en saphir. Là, ça aurait été stylé. Si vous entendez des bruits, c'est le petit chat dans ma chambre qui fait des conneries. Voilà, c'est également un plaisir. Hein. Elle se regarde dans le miroir, tu sais. Ah, c'est bien une meuf, hein. Une femelle. Elle va faire des conneries, je le sens. Mais bon, c'est pas grave. On les aime pour ça, nos petits animaux. Je t'avais parlé d'une Ferrari. Voilà, je savais que c'était une grosse Ferrari, ça. J'ai pensé que tu pourrais t'esquiver pour une virée à la campagne. Moi, tu vois, ce genre de Ferrari, ça m'excite pas trop. La F12, par contre, oh là là. XK de 2014. Donc, elle doit avoir ce qu'il faut. Oh là. Ah oui, c'est vrai qu'elle a un design spécial. Démarre. L'accélération de cette machine doit te faire halluciner. Ça par contre, je le sens direct, c'est pas une 4 roues motrices. Enfin, je crois pas. Hein. Je crois pas que c'est... Rester au-dessus de 177. Ah, d'accord. D'accord, je comprends. Oh là, petit freeze. Bon, le tout, c'est de rester au-dessus de la limite, donc ça va être plutôt facile avec cette voiture. Oh, elle tient bien la route. Ah oui. Oh putain, est-ce qu'on dit tout simple? C'est magnifique. Ah, elle se conduit super bien la caisse.
Oh merde, c'est par là. Oh putain! Non, c'est bon. Pardon. Ouais, ouais, on remonte, on remonte. Voilà. Pardonnez-moi. Putain, ouais, elle se conduit tellement, tellement bien que... Enfin, elle tourne super bien. Du coup, j'ai pas l'habitude et je me prends les voitures. Ah, mais j'ai 40 secondes, j'avais pas vu, j'avais un chrono. Bon, là, clairement, j'aurais pas les 3 étoiles, hein. J'ai fait de la merde. Mais bon. Voilà, je savais que t'y arriverais. Maintenant, détends-toi, respire et appelle-moi quand t'es prêt pour le prochain client. Ah, j'aurais peut-être pu avoir les 3 étoiles. Ça doit pas être très compliqué pour les avoir, là. Par contre, elle est belle. J'aime beaucoup le devant et le côté, mais par contre, l'aileron, là, c'est pareil. C'est dégueulasse. Allez, on va avoir un wheel spin. Normalement, ouais. Et on passe un niveau, donc on a 2 wheel spin de gratuit. Nice. Oh, le 200 000. Il me fait de l'œil. Il me fait de l'œil. Et 90 000. Ça va, c'est honnête. On prend. C'est pas mal. Et du coup, on va faire le tirage qu'on vient de gagner. Allez, un petit 100 000. Ah ! Bon, 20 000. Sur 2 tirages, on se fait 110 000. Bon, on va pas se plaindre, hein. On va pas se plaindre. C'est déjà ça. C'est mieux que... qu'un débardeur noir, frérot. Comme on a eu juste avant. Alors, mon prochain client est danois. Zenvo ST1. Il semble avoir entendu parler de notre aventure avec la Koenigsegg suédoise. Et les Danois n'aiment pas être battus sur la route, pas plus qu'au foot. Donc, et voilà la voiture suivante. Tu connais la chanson ? Voilà les clés. Je te souhaite une bonne balade. Ah, par contre l'arrière c'est pareil, j'ai un peu de mal. La ville vers le sud. L'avant est très joli. Oh putain, l'arrière un petit peu moins pour moi. Après les goûts et les couleurs, hein, vous connaissez. Objectif. Ah, c'est un radar encore. Ok. C'est où? C'est loin? Non, c'est pas loin. Ok. Elle, par contre, c'est sûr que c'est pas une 4 roues motrices parce que vu comment je suis parti en couille dès le début. Ouais, tu vois, elle a envie de drifter. Elle a envie de partir du cul. Hein. Kilomètre 3. Ah putain, non, 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 ça c'est inacceptable. Inacceptable, monsieur. Comment? Mais oui, mais c'est obligé que tu vas être au-dessus de 160 km/h. Là, c'est pas difficile. Hop. Alors, conclusion, Zenvo ou Koenigsegg? Koenigsegg, perso. Non, je veux pas savoir. Et ne dis rien au client non plus. Appelle-moi vite pour le prochain essai. Okay. Et du coup, j'aime pas les 3 étoiles. Ouais, moi perso, je préfère la Koenigsegg entre les deux là. C'est bien, c'est rapide ça. Limite, quasiment en un épisode, on pourra faire tous les niveaux de cette entreprise là. Hop, on a passé un level. Vitesse absolue. Et bientôt un wheel spin. Cette maison inhabitable parce qu'elle est dans les marais.
Allez. C'est niveau combien là? On sait même pas, ça doit être le 5 ou 6, un truc dans le genre. C'est minimum le 5. Donc là, 15 minutes, on en fait 5, tac tac. Normalement, on a terminé. Que Rebecca a utilisé pour tourner son documentaire. À la fin de l'épisode, on a terminé. J'ai pas voulu lui voler la vedette. Alors, j'ai choisi une autre éruption de puissance, l'Aston Martin Vulcan. 820 chevaux homologués sur route comme sur piste. Et j'ai fait fermer quelques routes pour toi. Ah ouais, bah on verra si tu les as vraiment fait fermer. On va voir si y a... Encore un radar. On va voir s'il y a des civils ou pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. À 400 mètres, tournez à droite. Ah tiens, faudra faire attention, mais regardez, les feux, ils sont tous au vert. Tournez à droite. Mais ça m'étonnerait que... Ça m'étonnerait qu'ils passent au rouge. C'est bien parce qu'on est en Aston Martin, du coup on a une petite musique classique. On apprécie le détail. La deuxième sortie. J'aime bien la Aston Martin Vulcan, elle est jolie. Mais bon, c'est pas dans mes voitures préférées. Moi je suis pas trop hypercar, je suis plus supercar et puis les bagnoles. Les bagnoles genre C63, GTR, tout ça quoi. J'ai pas besoin d'avoir un truc comme ça pour être au top, tu vois. Allez, passe la 7ème là. À moins qu'il n'y en ait pas. Parfait. Maintenant, quand les clients me demanderont ce qu'on fait, j'aurai la preuve en image. À la prochaine. Ah, on a eu les 3 étoiles, nice. Bon, c'était pas compliqué sur celui-ci. On se fait des sous. 7005. Ah, on va peut-être avoir le wheel spin. Ouais, nickel. Bah même deux encore une fois. Putain, on déverrouille beaucoup de tirages en faisant ça. Hein. C'est très intéressant. Hein. 120 000, bah nickel. Putain, comment on fait grave du blé. Eh, en 17 minutes, on a fait masse blé. C'est un truc de ouf. Bah là, on vient de faire deux fois... Ouais, on vient de faire 240 000 en 2-3 courses, en fait. Je viens de capter, là. Du coup, on en est là combien? 5 sur 10. Ok. On fera peut-être pas tout en un seul épisode, on terminera peut-être dans l'autre, parce que, ouais, sinon, ça serait un petit peu trop long, ce serait chiant. Ah, parfait, la casquette léopard pour aller avec les chaussures léopard que j'avais eues dès le début du jeu. Nickel. Je préfère ça que d'avoir les 250 000 qui me sont passés sous le nez, tu vois. Bien évidemment. Oh, notre client d'aujourd'hui, ouais, Paganizonda, un peu plus tranquille. Cinque. Genre balade dans la campagne, tu vois. Mais aborde quelque chose d'élégant, quelque chose de chic. Ça c'est ma cam, ça. D'italien. Ça, par contre, j'aime bien. J'ai choisi la Paganizonda Cinque, l'un des 5 exemplaires au monde. Il faut bien soigner notre réputation. Putain, ça c'est de la bagnole. L'itinéraire est planifié. Montre-leur comment on roule chez vitesse absolue. Elle marche fort, mais sans marcher très fort. Hein. Faites demi-tour dès que possible. Genre ma Ferrari, elle marche plus fort que ça. Hein. Largement même. Oh merde, fallait tourner ici. J'étais habitué au circuit de d'habitude. Alors là, faut faire quoi? Ok, c'est un contrôle à montre. Tournez à droite. Tournez à droite. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Le bruit, il est pas mal. Hein. Tu vois, c'est relâché.
accent, hein. C'est relaxant, ouais. Vite fait un peu. On a faim. Ok. Je vais informer le client que cette voiture. Là, j'aurais deux étoiles, je pense. Tranquillité recherchée. Viens me trouver pour le prochain test. Ah non, même pas. J'ai des idées. Une seule. Osef. Et y a le chat qui veut sortir. Voilà, mais tu vas attendre, ma petite. Je savais qu'elle voudrait me faire chier. J'en étais sûr. Ah, et l'XP que tu gagnes, l'influence que tu gagnes, c'est en fonction de tes étoiles, d'accord. Je comprends, je comprends. Putain, elle est tellement belle cette Ferrari. À chaque fois que je la vois, elle m'excite. Tu attends la fin de l'épisode, ma petite, pour sortir. Heureux de te voir. Ouais. Comment ça va? On dirait qu'elle a compris, elle vient de se coucher. La voiture de série la plus rapide au monde, si la production avait été suffisamment importante pour parler de voiture de série. La NC Venom GT de 2012. Fabrication artisanale pour obtenir vitesse et sur base de Lotus. Je te la confie pour les mêmes raisons. Il y a un radar sur l'autoroute en direction du sud. Fais-nous voir jusqu'où cette machine peut monter. Ok, elle marche bien. J'étais en train de me dire qu'elle accélérait pas très fort, mais en fait, c'est bizarre, sur la première vitesse, elle accélère pas fort. Mais dès que tu passes en troisième, là, elle bombarde. Je sais pas si vous avez ressenti ça, vous aussi. .346 pour le radar. Ah oui. Ah ouais, mais c'est sur autoroute. Bah, ça devrait se faire tranquille. J'aime bien le bruit du moteur, par contre. Enfin, le bruit de l'échappement. Après le rond-point, c'est tout droit jusqu'au radar. Go, go, go! Wow! Ouais, mais attends, gros. J'ai des frises! Allez, 346 minimum. Mais ça va être chaud! Non, c'est bon. C'est le truc le plus dingue que j'ai jamais vu. Ah d'accord, ouais. Je ferais bien de reprendre mon souffle avant l'arrivée du client. On se voit bientôt. Cool. Il a flingué la caisse, mon perso. Bon, attendez, pendant que ça charge, là, je vais l'ouvrir au chat. Comme ça, elle arrêtera de nous embêter. Allez, à plus. Allez, on se fait 50 000 de bénéf. Et dans 2-3 levels, on aura le wheel spin. Ça, c'était plutôt rapide. On doit être à 7 là, un truc comme ça. On va vérifier. 7 sur 10. Bon, on n'aura pas le temps de tout faire. En fait, s'il n'y avait pas les temps de chargement et tout, on aurait moyen, mais là... Ah, quoique, je sais pas. On verra, on verra. On verra comment je gère ça. Alors, du coup, verrons. À quel point t'avais apprécié cette Ferrari FXXK. C'est le cas de pas mal de monde sur le festival. On a full carbone. Voici la Bugatti Veyron Supersport de 2011. La voiture de série la plus rapide au monde, 3 années consécutives. Elle est à toi pendant... Pas d'inquiétude, on a le temps. Je le retiendrai s'il faut. Veyron carbone et orange, fallait oser. Enfin, le client veut te voir piloter dans les Highlands. Des virages techniques et de grandes lignes droites. Ouais, je crois que tu vas aimer. Ok, faut être au-dessus de 160 km/h. Tournez à droite.
Oh, elle bombarde cette voiture. J'aime bien le bruit. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Merde, il est là le rond-point. À 400 mètres, tournez à droite. Virage serré à droite à venir. Essaie de conserver ta vitesse. Ouais, comment je conserve ma vitesse dans un virage à 90 km/h? Maintenant, une longue série de virages de montagne. Ouais, je vois ça. Calcule ta trajectoire, utilise tes freins et conserve ta vitesse sans glisser. Oh. Ouais, attends, deux secondes, papy, deux secondes. Parce que là. Et n'oublie pas de t'éclater. L'autre il est sur ma trajectoire en fait, cet enfoiré avec sa voiture de merde. Là c'est pareil. Sur la trajectoire, hein, toujours, histoire de bien casser les couilles. C'est pas grave, ça compte. L'Aveyron. Non, il faut vraiment la ramener maintenant. J'aurai quelque chose d'aussi bien la prochaine fois. Je pensais à une Mercedes. Et moi, je pense qu'il va me ramener. Merde, comment ça s'appelle là? La Mercedes de course, un petit peu ancienne là. Ah, je sais plus. Mais je pense savoir ce qu'on va utiliser. Allez, prochaine course, on a encore une fois deux tirages. Putain, en vrai, faire les modes histoire, faire les missions d'histoire, ça rapporte tellement de tirages, c'est abusé. Je ne savais pas. Là, le pauvre Python, pour qu'il me rattrape, va falloir qu'il se lève tôt. Quand on veut une voiture dotée d'une mécanique de précision, on n'est jamais déçu avec une Mercedes. Je pensais pas la celle-ci. La AMG GTR de 2017. 0 à 100 en 3 secondes 6. Vitesse de pointe avoisinant les 320 km/h. Prêt pour le test? C'est parti. Ça va déraper ça par contre. Cet engin a été conçu pour tailler la route avec style. Je vais te trouver un itinéraire. Tournez à droite. J'aime bien cette Merco, mais elle me fait pas rêver. J'avais envie de voir cet engin en action depuis que je l'ai aperçu au festival de vitesse de Woodwood. J'y étais pour dépanner. Ta mère, quoi. Sérieux. PNJ de merde, taxi de merde. Et un de mes pilotes qui avait réussi à verrouiller sa voiture en laissant les clés à l'intérieur. Ouais, moi ça, l'AMG GTR où j'étais tout court, ça me fait pas rêver. Alors qu'un C63 ou un E63, ça me fait rêver. Même un S63, hein, tant qu'on y est. Ouais, cet engin a été conçu pour tailler beaucoup de routes. Ouais, elle est pas mal. Waouh, on se croirait dans une pub. Magnifique. D'ailleurs, j'ai une idée. J'avoue. Je vais parler au type chargé de la commercialisation. Voir s'il n'y a pas une opportunité à saisir.
bien, laisse-la ici. C'était la moins rapide de toutes pour l'instant. Sois prêt pour mon prochain appel. J'attends quelque chose de spécial. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Ah, bah écoute, j'attends de voir ça. Et on est à 30 minutes de vidéo, donc on va faire nos tirages et puis on se laissera là. On fera la fin et on verra la voiture spéciale dans le prochain épisode. Comme ça, ça vous donne une raison de regarder le prochain. Tirage déverrouillé. Allez. Une MX-5. La toute dernière. Ouais, allez. On va dire qu'on prend. Faudra que je vois si cette MX-5, elle est intéressante parce que l'autre MX-5 que j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé. Merde, pas ça. Ça. Allez. Let's go. Non! Putain! C'est de la merde! Bon, sur ces 12 paroles, on se laisse là. Et on se revoit dans quelques jours pour la fin d'émission. Ah bah en plus, ça va être la dernière ou l'avant-dernière des courses. Donc voilà, petit cliffhanger, on se laisse là-dessus. Salut.